Salam alaikum le service, bienvenue à la TV de Tata. Salam alaikum les Jones, il est actuellement 22h42, je reviens de 3 cours de sport intenses, donc voilà, j'ai une idée vraiment mignonnette, je vais mettre de ce pas, tu m'as vu, tu vas me voir changer de tronche, je vais mettre de ce pas les lentilles de Tata Nevia, je sais pas lesquelles je vais mettre, je ferai plusieurs vidéos avec toutes les couleurs, donc là je vais choisir une couleur, j'ai une perruque. Je veux surprendre Mich quand il revient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voudrais te voir avec ma perruque, avec mes lentilles, pour voir sa réaction. Qu'on va filmer. Donc c'est parti. Faut qu'on se dépêche parce que Kataï, je la sors à 23h, ma chienne, mon petit chihuahua, si tu sais pas qui c'est. Donc faut que je me dépêche. J'ai ressorti la palette de Wild Shmata, j'ai fait Wild Haram. Et j'ai sorti la BH Norvina. Je sais pas ce que je vais faire, je vais improviser total. Et on y va. Vite, vite, Nathalie, vite. Bon, je vais faire mon teint déjà, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vais faire mon teint. Avec. Superstay Maybelline. Antenne. Putain, c'est Marco. Sand, 30. Et je vais mettre son cousin, ma foi. On va tester un mascara de Sephora. Je m'excuse auprès de la marque. J'ai pas eu le temps de filmer la vidéo et ils m'ont supprimé un crédit sur Octolier. Allez, c'est pas grave. J'aime Sephora quand même. C'est pas grave. Donc après, je vais prendre, je sais pas où il est. Chaque fois, je le cherche en 10 ans. Le concealer Stay 24. Concealer de la teinte 2 beige clair. Donc je fais mon teint en celui-là. Là, il est très très bien celui-là pour un bronzer de supermarché. Je le kiffe. C'est le bronzing medium warm 250 de la marque Maybelline. Donc je fais mon teint. Le blush fit Maybelline. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où j'ai crash testé plein de produits Maybelline pour que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, je fais mon teint. Je reviens. On passe aux yeux. Bon, je vous cache pas. Merde, putain. La meuf, elle fondait sa bouche. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint, tout simplement parce que je vais au sport. Et que je veux pas mettre du fond de teint au sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est mort, quoi. Je sais pas que ça va foutre. Déjà, je me maquille parce que je suis habillée toute la semaine en legging. J'ai envie de rester quelque peu féminine. L'envie de me maquiller est reviendue. Donc, je me maquille réchouillée. Des fois, je mets du liner. Des fois, je fais un make-up un peu plus mignon, tu vois. Ça dépend de mon humeur, de ma santé mentale, de venir quoi. Non, sérieux, des fois on a envie de se maquiller, des fois on n'a pas envie. Mais même quand on n'a pas envie, ça fait du bien de se changer, d'être en riche. Putain, je vois que dalle. Je suis en train de me dépêcher, je fais n'importe quoi. Si mon teint est mal fait, mal, on s'en fout. Ne me jugez pas, j'ai pas trop le time. Ne me jugez pas, et je me suis va rentrer. Et mon plan il va foirer. Est-ce qu'il y en a pour vrai? Pour une fois que je peux filmer et surprendre les miches. Hey, moi, bon, attends, je reviens. On va passer au choix des lentilles. Alors, déjà, Tata Nevia m'a envoyé la petite boîte pour les lentilles. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. La méthode estompe avant de parler. Putain, j'ai fait tellement mon teint vite. Que les stompages laissent à désirer, mais ce n'est pas le souci de la vidéo, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vite avant qu'il rentre, sinon j'aurai trop le seum. Attends, donc quelle couleur je vais prendre? Franchement, la boîte elle est magnifique, elle est trop belle la boîte. Et comme j'ai déjà essayé les Neve, je vais en tester d'autres. Donc, les Neve, ça fait longtemps que je les ai mis dans la boîte. En fait, je les avais déjà essayés, c'est les premiers que j'ai essayés. Donc, ouais, c'est les lèvres. Ça fait longtemps que je les ai mis dans la petite boîte. Parce que j'ai acheté du produit, il y avait une boîte à offerte avec. Mais attends, mais je suis con ou quoi? Ah non, c'est pas celle-là, putain, j'ai flippé. Bref, ça fait au moins 3 semaines que j'ai mis les lentilles avec le produit. Ça n'a pas bougé, hein. Elles sont pas secs. Je vous mettrai une photo quand j'ai mis les neves. Franchement, hyper naturel. Et ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est le contour qui est noir. Ça, je trouve ça magnifique. Franchement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Je vais improviser totalement. Niamey. Niamey, elles sont belles aussi. Ça, c'est les Oslo. Et ça, c'est... Ah, elles sont belles aussi. Les Suva. Ben, tu sais quoi? On va mettre les Suva aujourd'hui. Parce qu'elles sont archi belles. Alors, les lentilles se présentent chacune dans une pochette comme ça. Il y a marqué, franchement, canonissime. Merde, j'y vais tomber. En fait, elles sont tellement fines que c'est délicat au début. Mais quand vous prenez le coup de main, c'est top.
tu vois. Tu regardes en haut et tu la poses, en fait. C'est un geste à prendre. Et franchement, elles sont canon. Elles sont canon. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un truc de ouf, wesh. Moi, j'adore le contour noir comme ça. C'est juste magnifique. Psahtek, Nevia, franchement. Psahtek, ma chérie, franchement, c'est un truc de fou. Wesh, elles sont magnifiques. Bon, ça me fait pleurer des yeux parce que j'ai pas l'habitude, c'est normal. Ça fait pas trop bizarre de me voir comme ça, des barres. Eh, franchement, ça fait, je sais pas, 5 minutes que je les ai. J'adore. C'est magnifique. Donc, on va passer au make-up parce que sinon, j'aurai jamais le temps. Il va arriver quand j'aurai fini. Je suis désolée, il y a une alarme derrière. Je sais pas si je vais brûler en même temps que la vidéo, là, la Belgique qui fèche. Mais il y a une alarme. Donc, en premier, je vais prendre la palette Haram Jeffree Star. Et je vais prendre cette couleur. Là, Mr. Diva. Celle-là. Je vais estomper ici, là, vite fait. Bon, ça commence à m'angoisser, cette alarme de merde, là. On va tous brûler ou c'est comment, là? Ensuite, je vais même mettre un peu de peps dans ma carrière. Je vais prendre la palette Norvina, que j'adore de ouf. Je vais prendre le E4. C'est un truc fluorescent, là. Je sais pas trop ce que je vais en foutre, mais je vais le mettre là. Tac. Voilà, c'est la pigmentation de cette palette, elle est dingue. Franchement, je la kiffe. Même la Jeffree Star, hein, en vrai, hein, même si je le porte pas dans mon cœur, sa palette est... Elle est mêlée, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire le contraire! Mais attends, Nathalie, estompe. Bla, estompe. Putain, tu vois, quand je suis pressée, je fais n'importe quoi. Ouais. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des couleurs aussi peps, donc je n'ai plus l'habitude. Mon chéri, il aime bien le discret sur ce coup-là, il va me dire, oh, j'aime pas le make-up. Tu parles de ce que tu veux. Mais c'est pas grave. Il y a plus de matière dans un œil que l'autre déjà. Putain, la lumière, elle me porte préjudice, ma foi. C'est violent. Autant te dire qu'on est mal barré, ma foi. Donc, ensuite, je vais mettre celui-là. Je sais pas quel artiste il y a en moi actuellement, mais il a pas de goût. Snowhead. Donc, ensuite... Je vais prendre la couleur C5 de la palette Norvina. Putain, elle est vachement poudreuse. Elle est super belle, mais elle est vachement poudreuse. Je ne vais pas vous mentir, je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo où je l'ai testée. Mais la pigmentation est tellement là qu'on ne peut pas l'en vouloir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, je suis désolée si je vais vite pour le make-up, mais c'est juste pour avoir le temps de surprendre Mich Mich. Là, je ne sais pas ce que je fais, j'accentue le coin externe, Zama. Après, t'inquiète, on va nettoyer la zone. J'ai jamais dit que j'étais make-up artiste, donc commencez pas à me faire chier. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Oh là là, kharat ali, j'en ai mis trop. Kharat ali, et non. J'en ai mis trop de matière. Je vais devoir estomper. 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 Oh, kharat ali, non. Mais attends, je vais t'expliquer comment on rattrape la galère. Ça fait aïlikoum parce que sinon je vais pas réussir. Ouh, il y a beaucoup de matière, ma voix. Ah ouais, c'est pas qu'un peu là, ma voix. Bon, attends, t'inquiète. On va prendre le Stay Maybelline. On va mettre un petit peu chouïa. Naya, on va prendre un pinceau. Un pinceau. En voiture, voilà. C'est un Kiko que j'avais depuis des lustres. J'adore ces lentilles. Qu'est-ce que je suis fraîche comme ça. Attends. Blah. Donc, je vais calculiser mon machin pour, on va pas se mentir, nettoyer la zone. Tu regardes en haut, hop, tu as ta zone. Tac, 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 tu tartines le matière. Attends. Donc voilà, tu fais ça. Tu tapotes pour pas avoir un marquage dégueulasse. Attends, je me reconnais pas. Alors maintenant, vu que j'ai fait le machin là, tu prends ton pinceau sans matière dessus, tu estompes, jusqu'à que ça n'ait, tu n'aies plus de triceps. Tac, tac, on estompe un peu ici, on t'inquiète, on va mettre de la matière Baïda pour camoufler la misère. Tu vois ce que je veux dire? On camoufle la misère. J'estompe.
Franchement, je m'en sors pas trop mal vu le merdier du début. Ouais, je commence à apprécier particulièrement. Donc ensuite, pinceau plat, les filles, n'importe lequel. 2,20€, c'est la même. C'est la même et tu le sais. Rac, tac. Qu'est-ce qu'on va prendre comme coude hein? Oh, je suis belle comme ça, j'adore. Waouh, putain, quelle forme. Quelle couleur pourrait aller avec notre paupière? Déjà, bye da mon amour. Oh bye da mon amour. Oh bye da mon amour. Je vais prendre la couleur. C'est oh, oh. Elle est poudreuse mais elle est belle. Elle est poudreuse mais elle est belle. Hop là, on la met un peu ici. Je vais mettre un peu de paillettes au milieu pour réveiller ce truc de croque-mort là. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas mal. Donc ensuite, on va mettre ça. La couleur E1 de la palette Norvina. C'est vraiment une très belle palette, les filles. On va la mettre au doigt. Ça va être mieux, plus intense. On veut de l'intensité, on veut la popularité. Non, c'est pas vrai. Je vous bats les steaks. Donc tac tac, quelle belle couleur parfois. On prend mon pinceau, il y avait du marron. Je stompe. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, j'aime bien. Donc, ensuite, liner NYX. Comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Je le kiffe ce liner. Tac. Oh merde. Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? On s'est rattrapé, hein. Franchement, vous en pensez quoi? Franchement, je m'en sors trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je m'en sors bien. On n'a pas fini, commence pas. Donc ensuite, je vais tester le mascara Sephora. C'est le... Faut pas que je la casse, celle-là. Oh là là, regarde. C'est le Size Up, volume extra large immédiat, voilà, que j'ai reçu d'Octoly. Je l'avais demandé sur Octoly parce que sur Octoly, j'ai pas grand-chose à part quelques produits qui m'intéressent pas. Donc, ce mascara m'intéressait. Je trouve vraiment que sur Octoly, il y a des produits... On se demande s'ils regardent le profil des youtubeuses. Ça a bien changé, mais bref, je vais pas les critiquer, on s'en fout. Donc, on y va, on va tester le mascara. Et franchement, j'adore. Donc, ensuite, j'ai su un peu mon pinceau dans le truc Sephora que j'avais eu. Pareil, Doctoly, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Et pour je nettoyer un pinceau, parce qu'il y a une pinceau, tu vois ce que je veux dire. On va prendre un peu de matière blanche. Ouais, blanc, et on va mettre ici. Et comme une bolosse, j'ai oublié de nettoyer la zone. Attends. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, d'où on est parti, c'est pas mal. Je suis pas make-up artiste, hein. Je me suis jamais proclamé make-up artiste. Et franchement, Nevia s'articule les lentilles parce qu'ils sont vachement naturels. Sincèrement, j'aime trop ce contour, mais c'est dingue, j'adore. Je suis une autre gonzesse. Avec la perruque, on va le rendre gueux dans mes chemiches. J'aime trop. Non mais regardez, mais ça, mais franchement, c'est canon. Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. Donc en rouge à lèvres, je vais mettre le gloss de Riri. Je sais plus c'est lequel celui-là. C'est celui-là, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais mettre juste ça parce que c'est un peu chargé, on va pas se mentir. Donc, ils sont bons. Eh, franchement, les gloss de Rihanna, je les kiffe. J'aimerais tous les avoir. Ah, il est magnifique, j'adore. Waouh. La perruque est d'Antifine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mes arbés. Vite, tata, vite, vite, vite. Je vous mettrai la photo juste ici de la perruque pour voir si elle ressemble au site. Oh, elle a l'air sympathique. Attends, je suis pas du tout coiffée pour mettre une perruque, mais...
J'ai perdu l'arrêt. C'est quoi cette... Ah non, ça va. Attends, mais la frange est trop longue, putain. Waouh. J'apprécie particulièrement. Là, tu sais quoi, je vais pécou la frange vite fait. Ah putain, les cheveux avec le gloss, c'est la catastrophe. J'adore, elle est super belle. Attends, je coupe la frange. Avant qu'il arrive, miche-miche. Oh, j'aime trop, elle est trop belle. Bon, par contre, j'ai pas l'impression qu'elle ressemble à la photo. Je vous ferai la notation, parce que sur la photo, elle était plus roquemoute. Moi, je préférais la couleur de la photo. Ah, j'aime trop, c'est trop beau. Attends, on va couper la frange. On va raccourcir un petit peu. J'ai pris les cheveux sur le teco, mais c'est pas grave. Mais Kévesh, tu fous quoi, toi, là, ici, toi? J'aime trop. Eh, franchement, la qualité de la perruque. Franchement, les chars, ils sont trop beaux. Oh, j'aime trop. Putain de con. Attends. Je vais la recouper un peu parce qu'elle est trop longue. C'est quoi cette genre de frange? Wesh. C'est grave, mais... Donc, je l'ai coupé à l'arrache, hein, les filles, ne faites pas pareil chez vous. C'est très dangereux. Eh, j'adore, non, mais franchement, la couleur, elle est super belle. Je trouve que ça va bien avec mon teigne. Mon teigne. Eh, franchement, la perruque, elle est loin d'être dégueulasse, je vous le dis, les filles. Bon, après, voilà, quoi, c'est, faut pas... C'est mieux de mettre un bandeau, genre, tu vois. Pour camoufler la zermie. Eh, franchement, j'aime trop. Tac. Oh ouais, putain, Mich-Mich, il va vouloir me pécho là. Eh, franchement, s'il l'aime pas, il a pas de goût. Ah, j'aime trop. C'est mignon. Bon, ça se voit que c'est une meuf qui a coupé sa frange à 2h du matin. C'est trop, trop mignon. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime. Bon, là, je l'ai mal mis. Hein. Derrière, à mon avis, c'est flégon de ouf, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire une gueule là, tu vois. Ouais, derrière, ça sent la. Moi, je peux pas voir. J'aimerais bien avoir des yeux derrière la tête parce que pour le coup, je vais voir ce que ça dit derrière. Ah, franchement, ça passe! Franchement, on croit juste une meuf qui a des volumes, quoi. Par contre, faut pas trop montrer les techos à tes slabs. Sinon, tu vas t'afficher. Mais bon, ça, c'est camouflable. Tu vois, c'est camouflable. Franchement, elle est jolie cette perruque. Pour le prix, pour du synthétique, il me semble qu'on peut la lisser à 180 degrés. Je vous mettrai une annotation parce que je sais pas si j'ai rêvé. C'est un concept. Pour des hards synthétiques, c'est un concept, je vous jure. Franchement, elle est archi belle. J'aime beaucoup. Je pourrais même l'attacher comme ça à l'arrache. Et franchement, j'aime beaucoup. En fait, moi, j'aime bien tester des perruques synthétiques parce que Ya Rabbi, protège-moi. Protège le monde qui m'entoure des maladies. Mais je me dis, si un jour je suis malade, subhanallah, ya Rabbi, je touche du bois, et que j'ai pas de maille, je serais bien contente d'avoir des perruques comme ça pour pouvoir m'aimer encore un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc moi, franchement, ça, je peux la porter dehors, il n'y a pas de galère. Ça, je la porte dehors, il n'y a pas de problème. Franchement, elle est super belle. Si vraiment, il m'arrive un truc dans ma carrière où je perds mes veuches, cette perruque, franchement, je peux la porter dehors. Tu vois? Le temps que... En fait, je pense, soit à moi, soit aux femmes qui me suivent, un jour dans notre carrière, on n'a pas forcément les ronds pour acheter une perruque à 700 balles naturelles. Ben, pour dépanner, franchement, ce genre de perruque synthétique avec la technologie qui existe aujourd'hui, ben, ça peut dépanner. Au lieu qu'une femme, elle soit en dépression totale parce qu'elle a plus de charme, tu prends une perruque comme ça à 30 balles, même pas, je crois qu'elle coûte 15 balles. Et franchement, ça dépanne. Et franchement... je sais que ça fera plaisir à des femmes d'avoir des chars. Tu vois ce que je veux dire? Bref, salam alaikum les gens, on se retrouve pour l'arrivée de Mich-Mich. Waouh, putain, je vais plus pouvoir me voir sans lentilles, sans chars. Laisse tomber, mon frère. Comme si les filtres, ça ne complexait pas assez. Je m'en bats les couilles maintenant, je mets des fils. Je mets plus de fils, j'en ai rien à foutre. J'ai des porcs, en fait, je suis un humain. Et tous les humains de cette putain de terre ont des porcs. Tu vois, on est. Voilà.
C'est juste qu'on n'est plus habitué aux photos non retouchées. Et quand on voit une meuf qui ne retouche pas ses photos, on lui dit « Oh, t'as une peau dégueulasse, t'as des pores, t'as des trous, t'as des racks. » Bla, toi aussi t'en as des pores, avant de parler. Toi aussi t'as des trous dans la peau. Wesh, hey, les rides, les trous dans la peau, c'est les marques de notre carrière, ma foi. Putain de monde de complexé. Complexé, va. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît, mais elle est ma préférence à moi. Je sais pas pourquoi je chante cette chanson, ça m'a inspiré. Bon, on va attendre mes chemiches, on va sortir qu'après. On va attendre mes chemiches. Ah, j'aime trop. Théma. Non, mais Théma, franchement, les lentilles sont magnifiques, wesh. Attends, tu rigoles ou quoi, toi? Franchement, make-up, il est mieux ou pas? Dites-moi dans les commentaires, mais ça fait. Mes lunettes, même si c'est pas recommandé de mettre des lunettes avec des lentilles. J'aime trop ce style. J'aime mon style. J'aime mon style. J'adore. Moi, je vais pécho mes chemises ou là. Je crois pas. Lui, même quand je suis fade et pas maquillée, ouais, loup. Encore heureux. Il a intérêt, j'ai envie de te dire. C'est mal la tenue de ma habit, s'il te plaît. J'ai mon legging de sport que je porte depuis tout à l'heure. J'ai même pas grave, je vous fais une vidéo, je suis trop mignonne. T'es moi, j'ai pris un zouk. Là, franchement, je vous mets mon avant-après ici, je suis grave fière. On est passé d'une poêle à crêpes à poêle à wok. Dédicace à ma petite collection gras. Quand je contracte, j'ai un boule. Quand je contracte, plus j'ai plus de boule. Voilà. Si riche, oui, ça a augmenté un peu. Je te montre pas. Bref, je bois mon carreau, je sors qui a taillé. Et on attend mich-mich. Et on attend mich-mich. Et on attend mich-mich. Ça me passionne ce nouveau look. C'est incroyable. Je me ferais bien une frange, mais pour aller au sport. Voilà, quoi, la frange qui transpire, c'est pas trop mon délire, j'ai envie de te dire. Mais je suis grave mignonne comme ça. Et je l'ai coupée trop court, mais c'est pas grave. Et franchement, cette perruque, remarque qu'elle ressemble un petit peu à la photo. Mais c'était plus... De toute façon, je vous aurais mis la photo. Putain, mais je suis arrivée, merde. J'ai mis une red bag, putain. Faut que je le pécho. Je vais faire comme si de rien n'était, je vais faire un bras, cacher l'écran, sinon il va me tricard. Je suis belle comme tout, j'ai fait une transformation pour te surprendre. Est-ce que ça te surprend? Ouais. Non, mais j'ai mis des lentilles. Ah, non, mais je le vois avec ta demi. Bah, et toi, t'as combien de grammes? Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la transformation? Ah, ouais, c'est bon. Putain. C'est quoi, putain? Bah tu veux dire ta réaction? Ma réaction en tout. Le make-up il est mignon. Bah regarde-moi. Bah voilà la réaction de Mich-Mich. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi ce que j'aime bien, c'est ton nœud à l'ancienne quand je t'ai connu, les petits nœuds que t'avais dans ta tête et que tu mettais. Voilà. Mich-Mich, faut savoir qu'il aime pas le superflu. Tu vois? Là, je mets jamais de lentilles, mais moi je trouve qu'ils sont hyper naturels, sincèrement. Je les porte depuis 2h30 parce que j'attends Mich-Mich. Non, moi j'aime pas. Je te dis franchement, je les sens pas. Après, quand on n'aime pas les lentilles. Non, mais la perruque, elle est pas mal quand même, mon amour. Pour quelqu'un qui perd ses cheveux, qui a pas les moyens de s'en acheter une nouvelle. C'est une galère de cheveux, ouais, si on arrive dans des extrêmes. Elle est mignonne. Mais voilà, t'as si des t'as pas de thunes. Tes cheveux sont largement plus jolis. Non, mais je sais, mon amour, mais si jamais un jour, je sais pas, moi je tombe malade, j'ai pas d'argent pour m'acheter une perruque, elle passe quand même. Ah ouais, les gens prennent pas de sous, qu'on plus de cheveux. La perruque, elle est mignonne. Ah ouais. Bon, tu vois, on est d'accord. Je dirais même n'importe quelle perruque passerait. Non, il y a des perruques qui font Halloween. Celle-là, franchement, pour du synthétique, ça passe. Franchement. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui, mais ça fait, je vais faire cuire à manger. Bon, avant d'enlever les lentilles dans les deux yeux, je vous montre un œil sans, un œil avec. Pour que vous puissiez vous faire une idée. Moi, je l'ai trouvé hyper naturel. Après, voilà. Les goûts et les couleurs ne se discutent point. Et ce que j'avais oublié de préciser, c'est que ce qui est bien, c'est que dans chaque boîte, il y a un petit
flacon comme ça vide que vous puissiez ranger volontiers après si vous n'avez pas acheté la petite boîte de transport qui est archi belle. Mais ça, je trouve ça hyper sympa parce que ça montre qu'elle ne force pas à l'achat. Il y a des sites qui auraient mis juste les deux lentilles sans mettre le truc pour les ranger après, exprès pour que vous achetiez ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne l'a pas fait, ce qui est remarquable. Donc voilà. C'est pas parce que c'est ma copine, hein, certainement pas, je suis pas comme ça. Quand j'aime passer de la merde, je le dis. Bref, franchement, Psartec, ils sont super jolis. Et ça fait 2 heures passées que je les porte. Et sincèrement, au début, on a un petit voile, c'est logique, hein, quand on n'a pas l'habitude. Mais après, ça passe et franchement, ils sont très confortables. Donc bravo pour ce travail. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous voulez que je teste plus tard. Là, je vous ai montré les Neves en photo et les Suva qui sont magnifiques. Donc, il me reste les Oslo, les Niamey et les Doha. Donc, voilà. Salam alaikum les jeunes. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez du look, de la perruque, du make-up. Voilà. Salam alaikum les jeunes. Merci à vous de votre soutien. Plus on est de fous, plus on rit.